François Morin est le père de deux filles âgées de 18 et 25 ans, avec de lourds handicaps physiques et intellectuels. C'est une maladie génétique dégénérative qui s'appelle la maladie de Salas. Depuis qu'elles ont atteint l'âge adulte, il doit continuellement solliciter et gérer des services qu'elles obtenaient auparavant plus facilement en pédiatrie. C'est de la scoliose, c'est l'épilepsie, de la dystonie. Ça prend un neurologue, ça prend un généticien, ça prend un physiatre, ça prend... Tu sais, c'est multiples rencontres. Même chose pour Diane Chenevert, dont le fils de 23 ans, Philippe, est polyhandicapé. Philippe est suivi par 5 ou 6 médecins. Il faut aller dans 5 ou 6 hôpitaux différents, souvent, ou dans 5 ou 6 départements, même pas du même hôpital. En plus de ça, souvent, les rendez-vous ne sont pas la même journée. Donc, on court beaucoup. Il demande au ministre Lionel Carman de créer ce qu'on appelle un centre d'expertise. On parle de quoi exactement? En fait, un centre d'expertise, c'est d'essayer de rassembler toute l'expertise autour des polyhandicapés. Là, les spécialistes ne sont pas nécessairement tous regroupés au même endroit. Donc là, la coordination des soins puis des services devient beaucoup plus difficile. Un centre de référence, en fait, ça permet de diminuer les temps, les séjours en centre hospitalier, les visites à l'urgence, ça diminue les taux de complications, donc la mortalité puis la morbidité. Madame Chenevert, qui a fondé à Montréal le Centre Filou, un organisme sans but lucratif qui accueille chaque année près de 200 jeunes avec de lourds handicaps, dont le tiers sont des adultes, a calculé qu'un centre d'expertise éviterait de nombreuses dépenses en santé, étant donné un meilleur travail d'équipe des professionnels. Pour chaque dollar investi, on pourrait sauver 5,17 $. Un colloque réunissant 300 personnes, dont des experts et le ministre Carman, se tiendra au CHUM lundi. Les parents sont tellement épuisés. On a des enfants malades, mais est-ce qu'on veut avoir des parents malades? Parce que la santé mentale, c'est une chose. Là, c'est ça le danger qui guette ces parents-là. Et moi, quand je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer avec mon fils? Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.